Voilà. Alors, on va se faire maintenant une petite virée moto pour vous montrer un petit peu la bécane en elle-même. On va vous montrer un petit peu comment elle roule, etc. Vous la présenter, quoi. Et puis en même temps, on va passer par vers 2-3 coins un petit peu sympas autour de La Rochelle, hein, pour vous montrer un petit peu et vous donner envie de venir chez nous. Donc. Voilà, je monte sur la bécane, donc déjà je suis 1m72, donc là je pose les deux pieds par terre à plat, hein, sans aucun souci. Je suis droit, un petit peu en avant dès que je me mets en poste de pilotage, donc un tout petit peu en avant, normal, c'est un roadster. Alors, hop. Voilà. Donc, on va faire un petit peu d'urbain dans des villages, un petit peu de route départementale, on va pouvoir peut-être un petit peu s'amuser quand même, et puis la 4 voies pour vous montrer aussi comment elle se comporte, vous montrer l'utilisation du shifter, vous montrer aussi le régulateur de vitesse. Allez, on est parti. Donc là on est à côté de la plage des Traits. Ah, donc c'est vraiment une moto qui est agréable à conduire, avec un monteur assez souple, malgré la puissance, en bas régime, il a quand même un petit peu de reprise, et elle broute très rarement, sauf si quand je me porte, que je repars en quatrième, après un rond-point que j'ai pris à 30 à l'heure, on va dire effectivement, bon, là on sent que le moteur il est un petit peu poussif. Mais étant donné que c'est un 4 cylindres, elle est déjà donc une très grande allonge, et malgré la grande allonge, elle a quand même un couple qui est assez phénoménal. On va dire qu'on a un double effet qui se coule avec cette moto. C'est dès qu'on met la moitié des gaz, voire la moitié des gaz, jusqu'à 3-4 000 courbes, on sent que ça pousse. Et puis alors dès qu'on dépasse les 6-7 000 tours, et que là on essore vraiment la poignée, là à ce moment là effectivement on a un genre de fulgurance, voilà, un peu comme si on passait en vitesse hyper comment dire, comme dans les films de science fiction, j'ai oublié le nom, ouais c'est l'âge, hein, merde, hein, je suis plutôt jeune, hein. Là on est à Ytrich, hein. Plage des Traits, donc petite plage bien sympa, interdite à la baignade là depuis quelques années quand même, parce que en fait c'est une anse, et dans cette anse, c'est là où toutes les eaux de mauvaise qualité viennent se mettre. Avant ici il y avait des maisons, c'était avant la tempête Oxyntia, il y avait des maisons, il y avait même un ou deux restaurants, là ils ont tout rasé ensuite suite à Oxyntia. Vous voyez là, hein, je suis à 2000 tours, j'accélère,
Allez, alors elle part de suite. Allez. Là, je vais utiliser le shifter. Allez. Le shifter, c'est un shifter up. C'est-à-dire que je peux passer les vitesses sans débrayer directement. Alors, il y a un petit voyant là, blanc qui s'allume dès qu'en fait, j'ai la meilleure possibilité pour mettre le shifter, là où il est le plus approprié. On peut le mettre avant, mais cette petite loupiote, elle nous indique, bon ben c'est bon, t'as la bonne vitesse, le bon régime moteur plutôt, pour passer la vitesse à la volée. Donc là voilà, donc c'est vraiment une moto qui est agréable à la conduite tous les jours. Donc même en milieu urbain, elle est très souple, elle est très confortable. Je parle du mode de conduite, hein, je parle toujours pas de ce siège qui est un petit peu dur, effectivement, mais bon, je m'y suis habitué, j'ai fait pas mal de bornes avec, j'ai jamais eu trop de problèmes en fait. Bon, c'est vrai qu'elle est dure hein, par rapport à certaines autres motos, mais c'est quand même pas une sportive. Alors bon ben regardez hein, c'est un vrai vélo, vraiment c'est léger à conduire, au niveau des freins ça freine, voyez, ça a même une sacrée puissance de freinage. Seule chose que je peux peut-être lui un petit peu lui reprocher, c'est que l'ABS à l'arrière s'enclenche assez rapidement, trop rapidement à mon goût effectivement. Mais c'est vrai que c'est la première moto avec laquelle ben, je freine vraiment. Voilà, j'ai pas peur de freiner, j'ai pas peur de partir en glisse. Tout ça effectivement grâce à toutes ces assistances effectivement électroniques qu'il y a maintenant. Ouais, donc quand on roule pépère comme ça, parce que là je suis en troisième, allez, à 50-60, elle bouffe pas trop, hein, elle consomme pas énormément. Par contre c'est vrai que dès qu'on commence un petit peu à ressouiller, là, c'est plus boire, elle engouffre. Hein. Ah, encore un copain. Là, on arrive sur le front de mer. Hein. On va faire Châtel et puis les Boucholeurs. Attention du sable. Eh oui, il y a la plage. Marée basse. Donc on va faire. Allez, on va aller jusqu'au Boucholeur. Puis ensuite, alors je crois qu'il y a des travaux, donc je sais pas si on prendra en premier la 4 voies pour rejoindre un autre coin ou si on prendra tout de suite les petites routes. Tout dépend s'ils ont fermé la route ou pas, parce qu'ils font pas mal de travaux en ce moment dans la région. Alors là, on est le 16 septembre, hein. Regardez-moi, il y a les gens là, qui sont en short, hein, qui vont à la plage. Alors on est en semaine, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde, les vacances sont finies effectivement. Mais bon, c'est quand même un pur bonheur là, ce mois de septembre. Alors ce petit coin là, ben, je pense que vous allez le voir souvent aussi dans mes vidéos, puisque je vais essayer de faire une boucle. Hein. Pour tester en fait les nouveautés moto, puisque je suis en train de voir avec Yamaha déjà, donc de La Rochelle, pour faire des essais moto, puis je vais essayer de voir avec les concessionnaires de la région et de La Rochelle surtout, voir à ce qu'ils me fassent faire des essais.
Il connaît les signes de passer lui ou pas? Non, on dirait pas. Allez, le petit bonheur là pour boire un petit coup en terrasse. Hein. C'est pas beau tout ça. Et donc, comme je disais, donc ce petit circuit, c'est le circuit avec lequel je vais faire plusieurs tests moto sur La Rochelle. Vous voyez, hein, même en bas régime, c'est pas poussif du tout. Ça répond nickel. Dès qu'on a besoin d'un peu de puissance, on l'a, elle s'essouffle pas. Vraiment, vraiment très agréable, même en milieu urbain. C'est pour ça, je pense, qu'elle a une telle polyvalence, hein, que ce soit urbain, petite route à Virolo, et même, on va dire, sur l'autoroute, elle est quand même assez agréable. Grâce au régulateur de vitesse, je pense, et sa sûreté, hein, bien sûr, l'assurance qu'on peut avoir avec, c'est ce qui en fait ma moto préférée de celle que j'ai eue hein, jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À droite, à gauche, à droite. Bon, elle est faite pour rouler, hein, pas pour rester statique, on va dire ça comme ça. Allez, ben on va rouler justement. Voilà, on rafraîchit l'air. Bon, on va y aller un peu là, comme c'est mignon là, tout plein par ici. Je suis sûr que ça vous donne envie de venir. Allez là. C'est pas beau tout ça. On arrive au boucholeur. Bon ben donc comme je le dis, hein, alors fin du test urbain, on va bientôt passer sur les petites routes, je pense. Donc maniable, de la reprise dans les bas régimes. Petit bémol, la chaleur qui se dégage vraiment du moteur, on a l'impression d'être quand même un petit peu sur un barbecue, parce que ça chauffe bien. Après, je lui vois pas vraiment de défaut en milieu urbain. Le freinage qui est mordant aussi, c'est pas mal hein, quand même hein, dans les embouteillages, quand on a vraiment un freinage d'urgence à faire. Ça marche vraiment bien, hein. Je me suis déjà tiré de trois petits freinages d'urgence avec cette bécane ou avec d'autres, je me serais emplafonné la voiture devant. Hein. Bon, on va aller s'amuser maintenant un petit peu sur des routes de campagne. Je connais pas trop hein. La Rochifère, vous voyez là le petit voyant, je veux dire que je peux passer les vitesses.
Pas mal cette petite route là. On va aller par là. Comme je disais, hein, le freinage est quand même pas mal mordant, heureusement d'ailleurs, vu comment je roule. Vous voyez le kiff qu'on peut se prendre avec cette bécane. Il est énorme. Vraiment très très polyvalente. Est-ce que c'est bon bordel ? Bien cette petite route là. Allez, on va revenir tranquillement.
couper. On va couper ça. Donc voilà, on vient de se faire quelques petites routes de campagne. Donc pour que vous voyez un petit peu le tempérament hein, qu'elle peut avoir. Donc elle est vraiment très très joueuse. Allez, allez, et là maintenant, on va aller faire pour rentrer tranquillement de la rocade. Et je vais vous montrer justement ce petit régulateur de vitesse qui a l'air comme ça une option bénigne, mais non c'est quand même pas mal du tout. Allez, le régulateur de vitesse il commence qu'en quatrième, là je suis en quatrième, je crois que c'est 60 ou 80 à l'heure, je sais plus. Donc je mets en route là avec le petit bouton rond, il y a un petit voyant orange qui s'est mis, je valide en appuyant sur 7 moins, et là je lâche, vous voyez, là, j'ai le régulateur de vitesse qui est en marche. Pour réduire ou vous monter la vitesse, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton, donc là moins, et elle va se mettre à descendre, voilà. Je vais aller un petit peu plus vite, je vais accélérer, ben, je vais sur plus, et voilà. Donc, salut. Donc cette option, elle paraît comme ça, voilà, sans grand intérêt, mais si, c'est quand même pas mal. Quand on fait de la route, on fait de gros trajets, ben c'est bien de se reposer cette putain de main là, parce que je sais pas combien de vous, d'entre vous, avez déjà eu des fourmis ou des crampes. Alors je dis pas s'amuser comme moi, là, lâcher le volant et faire le coup, c'est pas fait pour ça, mais au moins déjà prendre son guidon du côté gauche. Alors on va même directement voilà réduire la vitesse, ça permet de se reposer la main tranquillement. Et pour l'éteindre il y a plusieurs solutions, soit on freine au pied ou à la main, soit on accélère dans ce cas là ça l'éteint, soit on enlève le petit bouton, ou alors on décélère, même si là il n'y a pas de poignée en fait, on décélère et ça arrête le régulateur. Là voilà, je viens d'arrêter. Donc là, j'arrive de nouveau sur La Rochelle. Alors, j'espère que cette petite vidéo de présentation donc de ma chaîne, de ma bécane, vous ont plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bien sûr, sur la chaîne. Alors, l'intérêt de cette chaîne, ça va être, comme je vous l'ai dit, de vous montrer des coins de la région, d'essayer des nouveautés moto. Je vais essayer de voir avec certaines concessions autour de La Rochelle pour faire des essais, voire même essayer peut-être d'avoir des réductions, si c'est possible, avec des codes que vous pourrez avoir en regardant mes vidéos. Je suis aussi présent donc sur Facebook et sur Instagram, toujours en tant que Papy Vroom Vroom. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée. Alors, n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires pour tout ce qui est négatif aussi, surtout parce que je ne demande qu'à m'améliorer. Hein. C'est ma première vidéo, ça doit être loin d'être parfait effectivement. Je vais essayer de faire au mieux, d'écouter vos conseils aussi et vos demandes. Et puis si vous avez aussi certaines demandes spécifiques pour des essais par exemple, n'hésitez pas, voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée à tous. Ciao les amis, ciao les potos.